Salut! Bienvenue aujourd'hui pour transformer cette lame de scie qui est pleine de traces de colle et de résine en une lame quasiment toute neuve avec un peu de lessive de soude. C'est très simple et on va faire ça tout de suite. Ça marche très bien pour les lames de scie, ça marche aussi super bien pour les fraises de défonceuse ou de CNC parce que la lessive de soude va s'attaquer à tout ce qui est biodégradable, y compris la résine et puis les traces de brûlure. Pour enlever les traces de résine, il y a plusieurs solutions en fait. Il y a l'acétone qui marche pas très bien parce qu'elle décolle la résine avant de la recoller un peu plus loin. Il y a des produits spécialisés qu'on asperge au pulvérisateur et puis qu'on rince ensuite, mais qui valent un peu cher quand même. Les acides, c'est pas une très bonne idée, même si ça s'attaquerait aux matières organiques, ça va finir par s'attaquer à la structure moléculaire de l'acier ou du métal que vous traitez, et donc ça peut les rendre un peu dangereux. La lessive de soude, c'est pour moi la meilleure option, et cerise sur le gâteau, ça coûte 2,82€ le litre, hors taxe. Donc quand on en a besoin de 5 ou 10 centilitres, voilà, ça revient à quasiment rien du tout. Et cerise sur le gâteau, ça fait le boulot quasiment tout seul, il n'y a presque rien à faire. Allez, je vous emmène rien faire. Ah, c'est ça. Cette lessive de soude, elle est déjà diluée à 30% et je vais en mettre très très peu. Alors, il n'y a pas de maths là-dedans, j'ai pas des chiffres exacts, vous en mettez un peu, pas trop. Par contre, mettez bien des gants parce que c'est quand même une saloperie. Si vous êtes enfermé au fond d'une petite buanderie où il n'y a pas beaucoup d'air autour de vous, eh ben, mettez un masque parce que ça peut dégager des substances nocives. Mettez des lunettes, rouges si possible. Allez, au suivant. Pas très compliqué, hein? En gros, vous ne l'avez pas eu en temps réel, tout à l'heure, il y a eu une coupure, mais ça prend entre 4 et 5 minutes, quoi. Alors celui-ci y est resté un peu plus longtemps, le temps de déjeuner, et en gros ça a fait tout le travail.
celle-là, elle a pris cher. Hein. Elle a eu des coups de chaud, ça a dû coincer une fois ou l'autre quand je découpais. Et donc, ça a chauffé la lame. Voilà, c'est de ma faute. Et ça, j'y ferai rien. Je vais conserver cette base pour la prochaine fois. Je vais pouvoir rajouter de la lessive de soude si ça marche plus ou si ça marche pas assez fort. En tout cas, si vous voulez vraiment balancer ça dans les éviers, il faut remettre un peu d'acide pour annuler l'effet basique de la soude, c'est-à-dire un peu de vinaigre, un peu d'acide, un peu de jus de citron, un peu de voilà, quelque chose qui soit acide pour équilibrer le pH à 7 et ensuite ça peut retourner dans le l'évier. T'as vu ça un peu? Et il n'y a presque rien à faire. Ça se fait tout seul. Pour les fraises qui ont un roulement, il faut éviter de mettre le roulement dans la soude parce que ça détruirait le lubrifiant qui pourrait être contenu à l'intérieur du roulement. Ah, pas perdre le petit boulon dans l'aspiration. Ça m'est pas encore arrivé. Dans mes bonnes résolutions d'année prochaine, j'emmène mes lames chez l'affûteur parce que là, il n'y a plus rien qui coupe. Ça coupe encore un peu, hein, faut pas exagérer, mais j'aime bien que ça coupe hyper bien. Et là, faut serrer, mais pas trop fort parce que sinon, c'est indesserrable. Allez, feu! Voilà, j'espère que ce petit film sur la rénovation d'outils coupants vous aura intéressé. C'est en tout cas une solution très très simple, un vrai truc de feignant comme je le disais. Je vais pouvoir me remettre à ma caravane. J'ai déjà mis deux couches de vernis polyuréthane sur les arceaux. Je vais pouvoir m'attaquer au mur et au toit maintenant que celui-ci est sec. Donc vous retrouverez ça très très bientôt, sans doute juste un peu après Noël. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Moi, je vais continuer ma caravane et je vous la livrerai une fois qu'elle sera sortie par la fenêtre, juste un petit peu après Noël. Je ne sais pas exactement quand. Il faut que la peinture soit sèche et que je la passe par la fenêtre. Allez, à ciao, bonsoir.